Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait pas longtemps qu'on s'est quitté. Et donc du coup je voulais vous parler d'un bon plan. Suite à un site, enfin sur une page Facebook où je suis, une fille a partagé un bon plan où on pouvait trouver des box Gloria pour même pas 10 euros la box. Je vous jure, je crois que j'ai dû payer 9,60 ou 9 ou 9,80 la box, frais de port compris, puisque pour toute première commande, vous avez les frais de port offerts. Et du coup, ce site en question, c'est comme un site de vente privée, en fin de compte. Vous créez un compte, vous avez la première commande gratuite, et en fin de compte, ils font plein de ventes. Donc, il y a des trucs de beauté, des vêtements, il y a plein de choses, hein. C'est vraiment comme beauté privée ou vente privée ou VIP, c'est exactement le même principe. Et donc, du coup, ils avaient des box Gloria, donc ils en avaient quelques-unes, donc des anciennes éditions. Et moi j'ai réussi, alors je ne sais plus c'est quelle édition, celle que j'ai chopée. Moi j'ai chopé celle de cette année, de mai 2021. Donc c'est des, alors ils n'avaient pas grand choix, hein. Ils avaient, je pense qu'ils avaient 5 box, je crois, ou 4 box, je ne sais plus. Et donc du coup il y avait celle du mois de mai, donc qui se présente comme ceci dans une trousse. Donc vous aviez le choix soit en moutarde, soit en framboise. Donc moi je voulais absolument la framboise. Donc du coup j'ai réussi à choper cette box parce qu'à l'époque elle m'intéressait mais j'avais pas envie de relancer mon abonnement et de payer 16,90 € par mois. Donc là j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai eu la box pour 9,80 € frais de port compris. Donc là franchement ça valait le coup. Je vous invite à aller voir sur ce site-là. Vous avez l'application aussi, l'application Choose aussi. Donc moi je me suis téléchargé l'application et je me suis créé un compte. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a dans notre box? Donc nous avons la trousse dans un premier temps. Donc la trousse que je vous trouve, il y a toujours le petit fascicule qui vous explique. Donc la trousse elle a une valeur de, ben, je vais pas savoir vous dire parce que je ne trouve pas l'info. Alors, ah si, la trousse elle a une valeur de 15 euros, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est la petite pochette. Hein. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Alors, ils appellent ça la pochette Vanity. Donc, vous pouvez l'utiliser comme trousse de maquillage. Voilà, moi je vais l'utiliser comme trousse de maquillage. Justement, je vais l'utiliser pour faire ma trousse de maquillage pour le boulot. Au moins, elle est transparente. Je saurai ce qu'il y aura dedans. C'est très très pratique. Donc, alors, je vais vous expliquer bah, les produits qu'il y a dedans. Donc désolé, on a été coupé encore une fois. Voilà. Donc j'allais vous expliquer les produits que contient cette box, voilà, que je représente. Donc nous avons 5 produits dedans, comme dans toutes les box beauté. Alors, je vais commencer par le produit le plus banal. C'est ce produit-là. Donc c'est un masque pour le visage. Donc, c'est de la marque Tony Moly. Donc, je crois que c'est une marque qui est vendue chez Sephora, si je ne me trompe pas. C'est un masque en tissu pour les peaux. Oui, ben ça, on a deviné, pour les peaux. Donc, vous avez Aloe, Port Grenade, Pearl ou Avocado. Donc, il a une valeur de 5,90 €. Et moi, du coup, c'est le Pearl que j'ai. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait ces petits masques-là? Bah, c'est des masques qui contiennent des extraits naturels d'ingrédients connus pour des bienfaits sur la peau. Aloe vera hydratant, grenade antioxydant, avocat nourrissant ou Pearl. Donc, le Pearl, c'est pour booster l'éclat. Donc, ouais, pourquoi pas, je valide. Donc, voilà. Donc, ils disent à utiliser après une peau démaquillée et nettoyée. Et vous l'appliquez le masque sur l'ensemble du visage, vous laissez poser pendant 10 à 20 minutes le temps de boire un thé en allant sur Insta, voilà. Retirez le surplus de produit et à vous la peau de bébé. Donc ça, je vais l'utiliser, je valide. Voilà. Ensuite, prochain produit que je prends, donc je prends un peu au pouf, c'est un Lécor. Ah oui, je commence à en avoir la collection des Lécor là. J'en ai eu un déjà dans la Glossy Box. J'en ai encore deux que j'ai pas utilisés. Donc quatrième, bon du coup ça m'en fera un quatrième. C'est pas grave, ça sert toujours. Oh j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un lait corporel au Monoi Coco Milk. Donc j'adore Monoi et noix de coco ensemble. Les trucs que j'adore. Donc elle a une valeur de 14 euros. Donc l'huile de coco qui hydrate la peau et sent bon les vacances pour qui? Les coco addicts. C'est moi.
Je suis une coco addict qui hydrate la peau. Non, ça j'ai déjà lu, je saute une ligne. Ouh là là, Charlène, ça va pas là. Donc il s'utilise pour les peaux sèches, hein, ou non, en manque de soleil et de sable chaud. Appliquez votre Monoi Coco Milk quotidiennement dès la sortie de la douche sur une peau propre et sèche en réalisant des mouvements circulaires jusqu'à absorption complète pour hydrater votre corps. De la muque jusqu'au pied. Eh bien, écoutez, je vais l'utiliser tout à l'heure. Je vais aller prendre ma douche. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je valide. Je suis trop contente. Je vais l'utiliser tout à l'heure. Justement, j'ai ma douche à prendre. Donc, à moi la Coco Mono, les filles. Alors, prochain produit que je prends. Alors, par contre, je ne suis pas fan de ce produit-là. On l'avait eu dans une. Dans la Glossy Box pour la grosse édition limitée là, que j'avais eu, j'ai déjà eu un produit comme ça et j'ai pas du tout aimé. C'est le baume de chez Dr. Poi Poi. Poi Poi ou Poi Poi, je sais pas comment on dit ça. Donc il a une valeur de 8,50 €. Donc c'est l'original baume. Voilà. Donc c'est à la papaye. Donc la papaye, c'est l'ingrédient phare de la gamme en fin de compte. Donc il est operculé, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je vais le mettre en vente sur Vinted. Donc je ferai un lot de produits de beauté parce qu'il y a quelques produits que j'ai triés récemment que je n'utilise pas. Donc je vais le mettre en lot. Je vais faire un lot et ça sera disponible sur mon Vinted parce que c'est ce truc que j'aime pas du tout, c'est ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous lire quand même ce qu'il fait. Pour celles qui veulent un baume qui fait tout, à glisser illico dans leur trousse beauté. Appliquez-le sur vos pieds, vos coudes, vos lèvres ou. Pour les nourrir ou les hydrater, et même sur vos ongles et les pointes de vos cheveux pour les réparer. Bonne nouvelle, une goutte suffit pour chaque zone. Donc voilà, donc non, moi, non, merci, je n'aime pas ce genre de produit-là. Donc vous le retrouverez dans un lot de produits de beauté en vente sur mon Vinted. Voilà, donc ça, c'est le produit que je ne valide pas du tout. Pour le moment, j'en ai validé deux et celui-là, du coup, je ne le valide pas. Donc celui-là, hop, je le mets là, il ira en vente. Du coup, prochain produit que je prends, c'est un gel douche de la marque Corès. Donc je ne connais pas du tout. C'est un petit format voyage de 40 ml au prix de 2,60 €. L'actif, les notes fraîches et fruitées des 6 senteurs qui parfument délicatement la peau. Pour qui? Formulé avec un pH neutre, les gels douche Corès conviennent à toutes les peaux, même sensibles. Ok pour tout le monde, c'est utiliser un gel douche, mais cette fois, laissez-vous le temps de vous délecter des senteurs pendant ces quelques minutes sous peau chaude, effet apaisant garanti. Et c'est vrai qu'il sent super bon le fruité. Donc ça, je valide. Ça me sert toujours les petits gels douche comme ça quand on partait en week-end ou en vacances. C'est toujours utile ou quand on va à la piscine. Et justement, je pense que une fois que j'aurai obtenu mon permis, je vais sûrement reprendre la piscine. Ça va me faire du bien pour mon dos. Donc voilà. Ensuite, dernier produit que je prends. Ça, j'adore. C'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc, on en avait eu un dans la Beautiful Box l'année dernière. Donc, je crois que c'était celle du mois de mai. Et la teinte a l'air de. Ça a l'air de se ressembler. Là, j'ai le 606 Kinda Sexy. Voilà, c'est la teinte. Il a une valeur de 20 €. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Formule ultra pigmentée et longue tenue qui tient même sous le masque. Pour qui? Pour toutes les carnations de peau et surtout celles qui ne jureront que par le nude. Voilà, donc c'est un nude. Mais alors je trouve qu'il ressemble à celui-là de l'année dernière. Je vais regarder celui-là de l'année dernière. Peut-être que celui-là de l'année dernière tire plus sur le beige. Donc là, j'ai celui-là de l'année dernière. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Il y en a un qui tire peut-être, celui-là tire peut-être plus sur le rouge ou sur le rose et celui-là plus sur le nude. Je sais pas quoi. Vous allez me dire, il n'y a peut-être pas grand-chose de différence. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Donc ça, c'est celui-là de l'année dernière. Qui est vachement nude, rosé, je trouve. Hop, et celui-là, c'est celui-là de cette année. Je vais le swatcher quand même. Et eh bah ben, c'est pas du tout pareil. J'en ai un, celui-là de l'année dernière, qui est beaucoup plus rosé, et celui-ci qui est beaucoup plus nude. Donc c'est pas à l'œil nu, on voit que c'est pas du tout les mêmes teintes. À la caméra, je sais pas si vous voyez la différence, mais je peux vous garantir qu'à l'œil nu, c'est deux teintes totalement différentes. Celui-ci est plus beige, celui-ci est plus rosé, donc je suis rassurée que ce n'est pas du tout les mêmes teintes. Comme ça, je vais pouvoir le garder et l'utiliser. Du coup.
Donc très très joli, il fait vraiment très, il fait très nude, très pêche, et celui-ci tire sur le rosé, donc c'est très bien, ça me fait deux macs différents du coup, donc je suis très contente. Alors du coup voilà, celui-ci plus beige, celui-ci plus rosé. Bien sûr, ça rentre pas. Voilà pour les rouges à lèvres, donc voilà pour le dernier produit. Du coup, on avait aussi une. Donc, je valide aussi celui-ci. Donc, ça fait 4 sur 5. Et donc, du coup, il y avait une carte cadeau MAC Gloria X Mark, carte cadeau préchargée de 15 euros. Mais alors, sur le truc, ils disent qu'elle était valable jusqu'au 31 juillet 2021. Donc, elle est. Normalement, elle est plus bonne. Mais quand j'ai commandé ma box, c'était marqué que c'était valable jusqu'au 31 août. Donc, je vais quand même essayer là le 31 août. Je vais passer une commande. Je vais essayer le code, voir si ça fonctionne. Je crois que c'est à partir de 40 euros d'achat. Des 40 euros d'achat en tapant votre code ci-dessus. Donc, je vais tester, voir si elle fonctionne encore. Sinon, tant pis, ça ira à la poubelle, hein. Vous allez me dire, j'ai pas payé cher la box, hein. J'en ai eu pour même pas 10 euros pour 5 produits, dont un rouge à lèvres MAC d'une valeur de 20 euros. Donc la box est vraiment très bien rentabilisée. Donc en plus, la trousse, j'adore. Il me fallait une petite trousse transparente pour faire ma trousse de maquillage pour le boulot. Donc je suis très contente de la box, très contente de ce site, Chooz. Donc à l'avenir, je pense que pour la deuxième commande, si vous commandez une deuxième fois, admettons, je pense que les frais de port doivent être à 3,95 ou 5,90, je ne sais plus du tout. Mais franchement, c'est vraiment super ce site. Je vous le recommande. Chooz, c'est H2O et SE. Franchement, ça vaut le coup ce site. Je vous le recommande. Je vous mettrai le lien du site en barre d'information. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Donc, je vais vous faire ça aussi dans la semaine. Ça sera un tutoriel maquillage. Tiens, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Donc, je vais profiter de l'occasion d'être toute seule pour vous faire un tutoriel maquillage. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes toutes belles, et je vous dis à très bientôt. Ciao!